La BCC a signé un partenariat avec la Société financière internationale le vendredi 23 juin à Abidjan. La cérémonie de signature s'est faite en présence d'Olivier Buyoya, directeur régional de la SFI pour l'Afrique, et Ahmed Cissé, président du conseil d'administration de la BCC. Ce partenariat, qui porte sur trois conventions, vise à mettre en place un dispositif de partage de risques soutenu par un financement de 30 millions de dollars américains. Ce dispositif permettra d'accroître et de faciliter l'accès des PME ivoiriennes au financement, particulièrement celles du secteur médical, ainsi que celles dirigées par des femmes. Cet accompagnement s'inscrit dans la droite ligne de votre mission, celle de promouvoir des investissements fiables du secteur privé en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté, la création d'emplois décents et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Notre banque accorde une attention particulière à l'appui aux PME, comme l'atteste son plan stratégique qui prévoit un accroissement du volume des crédits à leur profit à travers le développement d'une approche prenant en compte la chaîne de valeur. Une meilleure utilisation des mécanismes innovants des garanties contribuera certainement à améliorer cet appui. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir signer cette facilité. Le groupe ABCC elle-même vient de changer, d'évoluer vers un nouveau actionnariat. Et je crois que les orientations que vous êtes données en termes de placer la banque comme une institution de référence dans le financement du secteur privé en rapport et en ligne avec les ambitions du pays. Présente en Côte d'Ivoire depuis 1962, la BCC est une banque commerciale offrant des services financiers aux entreprises, aux institutions et aux particuliers.